prit son vol à tire de rêve pour s'en aller vers l'inconnu. Elle prit son vol à tire de rêve pour s'en aller vers l'inconnu. Jeune Marguerite s'en va à Paris pour voir son cousin Germain et lui confier sa vie. Une jeune Marguerite s'en va à Paris pour voir son cousin Germain et lui confier sa vie. Oh, chante donc la viole, chantera pour moi, la 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 la. Chante donc la viole, chantera pour moi. Alors là, il faut chanter avec nous. Hein. Parce que maintenant, on a fait beaucoup de musique, on va chanter, mais il faut chanter avec nous maintenant. Hein. On va chanter. Alors, on va chanter. On va chanter, monsieur le curé. Parce que... embrasser malgré lui. Juste une question, le curé il passe ici quand même de temps en temps. Oui, de temps en temps, oui. Il vient de temps en temps. Oui. Est-ce que vous lui chantez la chanson? Moi je ne sais pas, est-ce que vous lui chantez la chanson? Parce que je vous assure, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, il y avait un curé ici, il s'appelait, comment s'appelle le père Simon, menant. Simon. Simon. Le père Simon. Et le père Simon, un jour, je me présentais simplement pour chanter dans le centre de Nivien, comme ça. Et il pleuvait ce jour-là.
Il faisait pas beau. Donc il n'y avait personne dehors. Il y avait des magasins qui étaient fermés, il pleuvait, il n'était pas. Le père s'est mis à côté de moi, il m'a dit tiens, t'as un carnet de chant, donne-moi ton carnet de chant. Il est tombé sur le bal de Juon. Et c'est la première fois que j'ai vu un curé chanter le bal de Juon avec moi. Donc on va essayer de reprendre tous ensemble, si vous voulez bien. Le bal de Juon, allons-y. Bientôt.